Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors on se retrouve pour les bons plans du week-end, et comme vous voyez tout de suite on commence avec un jeu gratuit, Formula One 2015. Donc voilà, gratuit sur Humble Bundle. Donc bien sûr, comme d'habitude, tous les bons plans, vous les retrouvez dans la description de la vidéo. Donc voilà, un petit jeu sympathique de Formule 1, n'hésitez pas à le tester, il est gratuit, il y a encore un jour pour le télécharger. Donc là, il va y avoir pas mal de souris avec déjà la Corsair Harpoon RGB. Chez Top Achat, il y a pas mal d'offres ce week-end, donc 18€, c'est un excellent prix pour une petite souris d'entrée de gamme, mais qui fait largement le travail. Vous allez voir, il y a d'autres souris sympathiques, vraiment pas trop chères. Ici, la Corsair M65 Pro RGB, donc un excellent capteur optique, parmi le meilleur actuellement. Mais seulement, moi, la petite gêne, mais j'aime pas trop cette souris parce que c'est le petit bouton de précision sur le pouce. Il est un petit peu gênant pour moi pour la prise. Après, c'est mon avis personnel. Souvent, ça permet de pouvoir descendre les DPI pour avoir une sensibilité plus faible pour jouer plutôt sniper. J'aime beaucoup Corsair sur leur clavier, mais pas vraiment sur leur souris. Mais elle reste quand même très bien finie. Donc, c'est une très bonne souris. Alors, la fameuse Logitech G502, donc exactement le même capteur optique que tout à l'heure. Donc, une excellente souris avec pas mal de boutons et tout. C'est vraiment du top. Donc, ici, 58€. Mais attention, moins 20% le code réduction. Ce qui nous fait la souris à 46€, donc c'est vraiment pas cher, c'est parmi les moins chers qu'on ait vu. Donc voilà, ça vaut le coup. Il y a aussi une autre souris qu'on va voir tout à l'heure, pareil chez Logitech en promotion avec le même code réduction. Donc le code c'est Play to Win. Donc voilà, n'hésitez pas, faut le rentrer tout de suite au moment du paiement. Alors une souris Razer en promotion, la Lance Head Tournament Edition. Donc une souris ici cette fois-ci ambidextre, toujours un excellent capteur optique. On retrouve que ça maintenant dans le milieu de gamme, haut de gamme, des bonnes souris avec un bon capteur optique qui est vraiment très efficace. Donc voilà, souris ambidextre, 16 000 DPI. Pareil, c'est parmi un des meilleurs capteurs optiques au monde. Donc franchement, une très bonne souris ici, qui fera aussi largement le travail, à un très bon prix, 52€, décidément. En ce moment, il y a pas mal de périphériques intéressants, du moins ce week-end. Et enfin, la Logitech G703, en parlant des souris. Donc ici, c'est une souris qui est sans fil. C'est exactement la même que la G403 que j'ai ici entre les mains, sauf qu'elle est sans fil. Donc un prix sympathique, toujours pareil, le code à rentrer Play to Win, ce qui nous fait la souris à 66€. Donc pour une souris sans fil, c'est vraiment très très bien, surtout que c'est un excellent capteur, très bonne ergonomie, assez légère, donc ça c'est vraiment bien pour du FPS. Franchement, c'est une très très bonne souris pour le prix, c'est vraiment excellent. Ensuite, un petit combo d'entrée de gamme, donc couleur master, hein, c'est vraiment intéressant. Ici, 26€, toujours avec un code réduction. Souvent, c'est des codes réduction qu'on retrouve pour baisser les prix. Souvent, on retrouve chez Top Achat des codes réduction, surtout quand on arrive le week-end, et chez Rue du Commerce. Donc voilà, faut surtout ne pas oublier de rentrer le code, ce serait dommage aussi. Une webcam, donc la C930E de chez Logitech. Donc 1080p, c'est exactement celle que vous trouvez en face de vous, celle avec laquelle je me le filme, sauf que moi j'ai la 920. La 930E a un champ de vision beaucoup plus large. Donc je crois que c'est 78, celui que j'ai actuellement, 78 en champ de vision, ça c'est 90 degrés. Donc ça fait un champ beaucoup plus large. Après c'est suivant préférence, mais 60€ c'est un bon prix pour une caméra qui est quand même 1080p 30fps, qui est vraiment pas trop mal. On passe aux composants avec une très bonne carte graphique, la GTX 1050 Ti. Donc ici 159€, c'est un excellent prix, ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu à ce prix là. Donc franchement, faut en profiter. Donc plus que 3 jours ici chez Top Achat, la KFA2 qui est parmi la moins chère du marché, mais vraiment qui ferait vraiment le travail. Ici on est pour du 1080p, moyenne qualité, et c'est vraiment pas trop cher du tout pour en ce moment. Le Ryzen 5 1600X, donc la première génération Ryzen, va commencer à baisser de plus en plus. On a des offres sympathiques ici chez Amazon pour 175€. Il y avait le même prix aussi exactement, je crois, au centime près chez Rue du Commerce. Donc franchement, c'est vraiment bien pour un tel processeur. Je rappelle, c'est 6 cœurs, c'est 12 threads. Et un petit water cooling, donc le Corsair H60. Il y a ce remplaçant qui va arriver, c'est pour ça que le prix doit baisser, je pense, 56€, avec le code LEROCK. Donc franchement, pour un petit water cooling sympathique, c'est vraiment pas mal du tout. C'est sûr que c'est un gros ventirad fera mieux qu'un petit water cooling, mais c'est toujours plus facile d'intégrer et ça prend beaucoup moins de place dans un boîtier. Alors un excellent boîtier, le Corsair, le Cooler Master Master Case H500P. Donc en plus de ça, donc c'est 149€, c'est le prix de base du boîtier, plus ou moins entre 120 et 150. Nous avons l'alimentation G650W modulaire de chez Cooler Master et un contrôleur RGB, donc c'est une très bonne offre. Alors il y a la façade qui est pleine ici, comme vous voyez, et donc ils viennent juste de sortir une façade à mèche. Plein de petits trous parce qu'ils se sont aperçus que le refroidissement ne se faisait pas comme il faut. Donc ici, ils ont sorti une quinzaine d'euros, je crois, la façade à mèche. Et d'ailleurs, il y a une version white qui va sortir, qui va être vraiment excellente, moi qui me donne envie. Donc un excellent boîtier, super bien refroidi. Mais voilà, le point faible de ce boîtier, c'était la façade pleine ici, qui empêchait les ventilateurs d'aspirer de l'air, tout simplement. Et pour les plus petits budgets, justement, le Salman T4 en USB 3.0, qui a très bon prix. Et, voilà, très bon prix, c'est pour les cartes mères micro ATX et mini ITX. Donc 24,99€. Ce qui est dommage, c'est que la livraison est gratuite chez Cdiscount à partir de 25€. Donc il manque plus qu'un centime pour avoir la livraison gratuite, donc essayez de trouver une bricole si vous voulez acheter ça pour pouvoir avoir la réduction offerte. Ce serait dommage, même un petit cahier ou un petit livre pour 1€. La Corsair VS550 à très bon prix ici chez Top Achat. Je dis à très bon prix parce qu'en temps normal c'est le prix d'une 450W. La Corsair CX550M
GM, donc une très bonne alimentation, entrée de gamme, milieu de gamme plutôt même je dirais, 80 plus bronze, donc modulaire 550 watts, 56€, je trouve que c'est vraiment un prix qui est vraiment très très bien. Un excellent SSD ici, le 850 EVO, un des meilleurs, voire le meilleur actuellement sur le marché, donc le 860 EVO est sorti avec une meilleure endurance, mais il est quand même beaucoup plus cher. Ici 500Go, 121€ pour un excellent SSD qui est vraiment reconnu, c'est vraiment un prix qui est vraiment super intéressant. Enfin pour ceux qui veulent du stockage, ici nous avons 4Tera de disque dur. Attention, je dis bien du stockage, parce qu'il y a 5900 tours par minute, donc c'est vraiment juste pour un système, donc ce serait dommage. Ici pour moins de 100€, 4Tera pour stocker beaucoup de choses, ça peut vraiment être pas mal du tout. Alors maintenant on voit deux PC portables gamer ici chez Cdiscount, vous allez voir. Donc le premier 799€ avec une GTX 1060 6Go, c'est vraiment très très bien. Un 17 pouces de marque Acer, 8Go de RAM, le Core i5 7300HQ qu'on retrouve un petit peu partout et 1Tera de stockage. Donc la GTX en plus est la version 6Go. Le seul point faible c'est d'avoir un disque dur de 5400 tours par minute, mais pour 800€ nous avons un PC qui est vraiment très très puissant pour jouer. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Donc faut y penser, 17 pouces est quand même beaucoup plus confortable qu'un 15 pouces. Donc c'est vraiment pas mal je trouve, c'est pour ça que je vous le montre dans ce bon plan. Et donc on termine pour 900€ avec un PC qui est vraiment la même base, mais seulement qui est quand même beaucoup plus puissant. Donc beaucoup, il est quand même un petit peu plus puissant grâce surtout au processeur, le Core i7-7700HQ. Et il est en stockage, il a un disque dur hybride de 1Tera, c'est-à-dire qu'il a 8Go de mémoire flash dedans, donc ça peut booster un petit peu mieux le système. Donc 8Go de RAM, par contre, il n'a pas de Windows, mais on arrive à trouver quand même des clés Windows pour environ 10€. Asus qui est vraiment pas mal du tout. Moi j'aime bien les Asus en général, que ce soit les cartes mères ou que ce soit leur portable, j'aime beaucoup. Donc voilà, bon week-end à tous en tout cas, à très bientôt, ciao bye.